Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce 7e épisode sur Little Nightmare. Et ce pourrait être le dernier de cette petite aventure que j'aurai finalement. Peut-être, hein, si c'est fini. En tout cas, j'y serai arrivé au terme en une journée, ce qui est plutôt. Ouais, une bonne performance. Après, le jeu, bah, apparemment, est pas très très long en soi, donc. Donc, c'est pas non plus une prouesse incroyable. Simplement, ça fait plaisir. Ça redonne confiance en soi. J'ai déjà oublié le parcours. J'ignore si mon micro est allumé à ce moment-là. Voilà, c'est un peu du 50-50, j'ai envie de dire. Hop. Attention, on a perdu pas mal de vitesse là-dessus. La joueuse qui s'élance, qui avance. Attention, le saut. Et on y est. Voilà, c'était exactement ici que nous nous étions quittés. C'est bon, mon micro est bien allumé. Ah. Mais ça fait toujours plaisir quand ça se calme. Peu importe l'époque. Et j'étais allé voir dans le menu juste après avoir quitté. Il y a les petits personnages avec la tête en cône qu'il faut finalement câliner. Je sais pas trop comment ça se passe. Mais je les ai tous ratés du coup. Je pensais qu'il fallait juste leur allumer une petite lumière. Apparemment non, il fallait les câliner. Ce seraient des sortes de petits orphelins, si on peut dire. Allez, tu peux y arriver. Donc je pense, et je suis quasiment sûr qu'on est proche de la fin. Voilà, ces petits trucs là, on va essayer d'en choper un, c'est gentil pour moi. Est-ce qu'on peut ne pas le prendre? Ce serait intéressant. Même si je n'ai pas l'impression. Ok, on n'a pas le choix. Mais c'est bizarre ce. Ce truc là, même les gros personnages étaient en mode. Tiens, tu m'as un coup de saucisse? Étaient en mode je préfère attraper un truc vivant qui court un peu partout plutôt que. Remarque, il y a un beau message, c'est. Ils veulent pas manger du transformé. Qu'est-ce que c'est? J'ai cru voir des gravures un petit peu. Ah non, c'est des. Des griffures. C'est les. Les ramures naturelles du bois. Qu'on a sur la gauche. Voilà mon pote. Merci The Last of Us de m'avoir appris à toujours fouiller plus qu'il ne faudrait. Ok. Il va me falloir quelque chose à lancer. Est-ce que ça fera l'affaire? Ah, petit peu trop loin. On réessaye. On va se cacher, on sait jamais. Hein. Ok, ça a l'air bon. Bon, si vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, c'est mon chat qui a décidé de faire le fou parce que j'ai mangé un yaourt juste avant. Donc il en peut plus de sa vie. Salle de réception, j'ai eu un trophée. Bon, comme quoi il fallait aller jusqu'ici pour que ça se sauvegarde, entre guillemets. Entre guillemets. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va pour vous. Hein. Je sais pas exactement quand est-ce que cet épisode sortira. On est au 7ème, donc je pense que l'aventure va s'étendre sur une semaine assez rapidement. On va faire un épisode par jour. Comme ça vous aurez pas à attendre. Et je pense qu'elle est ça pile la semaine du juste avant Halloween. Ça pourrait être sympa avec cette ambiance-ci. Ah. Bien vu ça. Non, on peut pas monter. Mais alors pourquoi me faire monter jusqu'ici? Tu vois? C'est très étrange. Bon, c'est pas grave, on continue. J'ai toujours mon chat dans la gorge, bien entendu. Il doit y avoir quelque chose de caché dans le coin. Tu penses pas?
Je sais pas, hein. Peut-être que ça sert à rien. Peut-être que ça sert à quelque chose aussi. Regarde ça. Hop. Et là, bam. Et là, ok. Le joueur. Ça sert à rien. Si, il doit y avoir quelque chose à faire ici. Bon. Apparemment, c'est un semi-échec. Mais bon, c'est pas très très grave. Ah oui, il me faut une clé. Très bien, donc on peut continuer à monter. On entend une femme qui murmure. On dirait aussi une alarme à la fois. C'est à la fois apaisant et très peu rassurant. Oh là! La vache! Elle a un aimbot ou quoi là? J'ai pas trop compris comment ça s'est déroulé. Peut-être que je devais rester bien en arrière. Ah, mais c'est rigolo, en fait, son ciré forme une sorte de bateau. Quand on est tête baissée. Bon, faut le voir pour le croire, mais bon. Qu'est-ce que je peux faire? Je risque de l'avoir dans la tête. C'est à la fois apaisant mais dérangeant. Vous voyez la redescente descente de gamme là à la fin qui est un peu. Qu'est-ce que je dois faire? Là, je suis sûr que ça va faire tomber le pot. Oui, certes. Oui, mais encore. Ah, on doit péter le miroir peut-être. D'accord. J'ai peur. Coucou. Y a quelqu'un dans ce bourbi? Je suis là, hein. Si jamais vous me cherchez. J'ai aucune idée de quelle distance je suis. J'ai peur. Tu vas le lancer, oui ou non? C'était... C'était pas ça qu'il fallait faire? Ok. Bon bah allez, parti. Ok, de retour, je suis allé voir une astuce parce que là pour le coup, je suis désolé mais j'ai pas trouvé comment faire.
Donc apparemment, je viens de potentiellement apercevoir quelque chose sur une vidéo. Ce qui pourrait être un indice. En fait, quand je cherche la solution, c'est pas vraiment que je cherche la solution. C'est que je vais sur une vidéo de quelqu'un qui joue. Et dès qu'il y a un moment, un truc qui me fait dire ah putain, ça peut être ça. Genre, je coupe la vidéo et j'essaye de mon côté. Du coup, je sais pas vraiment si ça fonctionne. Et ce qui est étrange, c'est que, genre, si elle nous voit, clairement, ça la trigger. Mais en revanche, si on fait tomber ce vase. Ah putain, la clé est là! Mais les autres fois, je l'ai pas vue, hein. Les autres fois, la clé n'était pas là, j'ai l'impression. C'est très très étrange. Bon, désolé, j'étais en train de répondre à un message qu'il fallait à tout prix que je réponde, dont il fallait à tout prix que je m'occupe, on va plutôt le formuler comme ça. Ok, bon, la clé, elle a l'air de peser bien lourd, hein. Pour le coup, faut pas la faire tomber dans les escaliers, j'imagine. Ouais, non, on peut pas. Enfin, si on peut, mais ça nous aide pas au final. Ah, maintenant, j'ai l'impression d'entendre encore la voix de la femme qui murmure. J'ai l'impression que quelque chose a bougé la tête. Pas rassurant tout ça. Un des trucs comme ça a bougé la tête. D'accord. Est-ce qu'il y a moyen de perdre? Parce que ça, du coup, ça va être ma question. Si on perd et qu'on doit tout recommencer. Ah, mais elle est là. Non, bah oui, elle est là. C'est c'est partout le même truc. J'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose au bout de la pièce. Ok, ça se joue ici. Que dire, que faire? Pas du tout ce qu'il faut faire. Est-ce que je dois me perdre? Je suis désolé si vous voyez rien. Moi aussi, pour le coup, je ne vois pas grand-chose. Ah merde! Je suis bloqué là? Que faut-il accomplir? Ça a l'air de se passer ici, on est bien d'accord. Une chaise et un bureau, mais... Ça ne rime à rien du tout. Ah putain, c'était là. Ah, j'aurais pu chercher vraiment longtemps. Et ça? Un miroir? Quelque chose me dit qu'on va en avoir besoin. À placer dans l'œil? Je comprends rien. Le jeu ne fait pas de cadeaux, hein. Ok, de retour.
Bon, là clairement, je suis un peu honteux de cette fin de jeu. Mais en même temps, j'avais aucune idée de ce qu'il fallait faire. Je sais pas si c'est un problème de réglage de moniteur TV. Mais alors, j'y voyais rien du tout. Non mais attendez, attendez, attendez. Il me manque une information là. Je suis obligé de fermer les volets parce que... Putain. C'est extrêmement perturbant et troublant d'avoir l'impression de... C'est pas une question d'équipement en plus, c'est ça le pire. Je vais même fermer la porte. Pour vous dire à quel point je m'immerge. Ok, donc ça c'est un miroir apparemment. C'est bon à savoir. C'est un miroir qui reflète pas trop trop en même temps. Si je suis la logique, il faudrait que je reste dans la lumière. D'accord. Ah bah putain, c'est plus clair comme ça. En fait, il faut tracer à chaque fois. Là, typiquement, je la vois pas. En fait, il faut lui renvoyer son reflet typical. Ça peut venir de n'importe où. Eh ouais. Eh ben oui, tout de suite, quand on a la technique, ça change tout, hein. Le jeu n'est plus si dur, hein, au final. Ça change vraiment tout. Ça dure longtemps quand même, hein. C'est plus que trois coups là. Par contre, elle commence à enchaîner les attaques. Je vais plus pouvoir tenir, moi. Là, c'est moi qui avance. Je sais pas ce qu'on doit faire. On va la dévorer peut-être. J'ai le bidon qui gargouille dans le jeu. J'avoue que je perçois pas trop le message. Bah, par le fait qu'on ait mangé la méchante et qu'on devient méchant. Je sais pas. C'est un ascenseur. Waouh! C'est vachement beau. Là, c'est moi qui avance, hein. Non, je préfère préciser parfois, si vous voyez que ça part à gauche, à droite, c'est pas le jeu qui...
Waouh. Donc c'est dès qu'il croise ou qu'elle croise mon regard. Ah si, faut quand même que je leur fasse face. J'ai l'impression qu'on peut quand même perdre ici. Eh, comment je les snipe? Chaud. Vous pensez qu'il y a quelqu'un qui a déjà réussi à faire un game over ici? Ah, et du coup on peut ouvrir les yeux. Littéralement. Waouh. Moi je m'entends plus parler, mais c'est pas grave. C'est tellement poétique. Ça c'est mon truc, dès que je vois une lumière comme ça, je dis ah là, franchement c'est poétique. Eh bien, c'est fini! Ah là là! Tant de questions, tant de... Bah, si peu de réponses au final, hein. C'est très énigmatique ce Little Nightmares. Apparemment, il y a un 2 qui est en préparation, qui devrait pas trop tarder, je crois. Peut-être sur PS5, je sais pas. Je saurais pas vous dire exactement. En tout cas, ça m'a fait bien plaisir de partager cette petite aventure entre guillemets horreur, Halloween et tout ça. Voilà, on a eu quelques petits frissons de temps en temps. C'était pas non plus comment dire, c'était pas non plus insoutenable. C'était pas de l'épouvante ou des choses comme ça. C'était une ambiance globale. C'était plutôt cool. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de l'aventure au global. Et si ça vous intéresse d'autres aventures comme ça. Il y a une époque, sur mon ancienne chaîne, je faisais le vendredi de l'horreur. C'est-à-dire que tous les vendredis, je jouais à un jeu basé horreur, un peu énigme, enfin des trucs comme ça. J'ai pas pu le faire très très longtemps parce que les jeux coûtaient cher, mine de rien. J'avais fait sur Daylight, sur Slender, d'autres jeux dont j'ai oublié le nom, mais ça me plairait bien de faire au moins un jeu comme ça, un par an à chaque période d'Halloween. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. En tout cas, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine aventure et... Ciao. Ciao. Bellissima. Ciao, mille.